Pas de chiffre sur le globe. À moins que ça représente un zéro. Et pour finir, la table, c'est ce meuble-là. Il y aurait éventuellement trois, pourquoi pas. Il y aurait trois, il y aurait peut-être deux. Ça peut être n'importe quoi. On peut interpréter comme on veut, quoi, c'est ça le truc. Ça peut être le nombre de feuilles aussi, il y a combien de feuilles. C'est assez flou en plus. Du coup, on a 8, 4, 6. Et possiblement 3 ou 2. 2, 3. 2, 3, 4, 6 et 1, 8. On va essayer 2, 3, 5, 6. Ok, donc déjà c'est pas ça. Si, 3 heures. Donc. Et donc la deuxième heure, c'est bien ça. Donc c'est soit 4 et 0, le nombre de pieds. Est-ce que vous considérez qu'il y a 3 ou 4 pieds? On va considérer qu'il y en a 4. Est-ce que c'est la totalité? C'est pas clair, c'est vraiment pas clair. On va considérer que c'est 3 et 4. Donc on va essayer 4 heures et quart. Non, l'inverse alors. Non. Sinon j'avais dit. Zut. Désolé, j'ai pris le jeu. Du coup, est-ce que c'est 5h15? 4h? Est-ce que c'est 3h15? Non, je l'ai fait sur 3h15. Hein. Je sais pas à quel chiffre peut correspondre le globe. La porte, ça pouvait être 6. Bon, j'en sais rien, j'ai besoin d'une pause. Allez, à plus tard. Bon, comme convenu, j'ai fait une petite pause et je reviens sur le jeu. Du coup, le morceau qu'on a trouvé, c'est un carré de sucre. Donc, je suppose qu'il va falloir le donner au corbeau. Il me semble qu'il est dans le passé, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Non, le passé, c'est les parents. Là, c'est le présent. Hop, donc il faut aller dans le présent. Et on va donner un carré de sucre à au corbeau. Ok. You know what to do. Alors, il y a ça. On a récupéré aussi un faire-part résultat qu'on va pouvoir déposer dans le dossier. Je déteste ce jeu. 207.
Non, c'était 1-0 et 7. Ça va encore être glauque cette histoire. D'accord. D'accord. Bon, on a deux statues. Et apparemment, on a fini avec la télé. Il n'y aura plus de code. Donc ça, c'est OK. Il nous manquait un truc dans le dossier, je crois. Hein. Qu'est-ce qui nous manque dans le dossier? Bon, on a tout en fait. Du coup, il nous manquait juste les statues à placer. Et donc, il faut retourner dans le futur pour ça. En vrai, je pense qu'on ne va pas tarder à avoir fini. Welcome to the future. One of us will die. The other will be enlightened. Please. Make the right move, Dale. Bah techniquement t'es déjà morte donc c'est pas tout. Il nous manque qui? C'est bizarre parce que je peux interagir. Welcome to the future. Ok, il me manque des éléments. J'ai pas encore terminé avec tout ça. Hop. Est-ce qu'il y a moyen de débrancher la prise là? Parce que c'est stressant cet œil-là. Alors, on va juste relire un petit peu ce bouquin. Alors, je suis censé avoir que 5 statuettes. Est-ce que je les ai? Et non, j'en ai 4. Donc il me manque une statuette. Il me manque quoi en statuette? J'ai la statuette du mal, j'ai le corbeau, j'ai... Je sais pas trop. Ça je crois que c'est la femme. Et ça c'est Owl. Donc il me manque celui-là. J'ai toujours pas la clé de ça. Ah, je l'ai jamais eu, hein. Même dans le chapitre 1, je l'ai jamais eu.
Donc, ok. Ça, je suis sûr que ça représente une heure, mais le truc, c'est que je sais pas qu'est-ce que ça peut représenter. Ça peut représenter tellement de trucs. Enfin, ça peut représenter un 6 imagé. Ça peut tellement être beaucoup de choses, quoi. C'est un peu absurde. Il manquait un truc, il manquait un 9 au bout d'un moment. Parce que si on donne un 9 à. Non, je l'ai pas. Donc il me manquait l'œuf pour avoir un espèce de carré, c'est ça? De mémoire. Donc ça, j'ai eu la statuette. Ok. Ah oui, du coup, ce truc-là s'est arrêté. Mais bon, j'ai pas plus de choses à faire avec. Ici, c'était bon. Ici, c'était le truc. Tell me what you see. Ouais, c'est ça. Bon, on peut le laisser dedans, ça va pas me prendre une place dans l'inventaire au moins. C'est quoi, on a bien progressé d'un seul coup. On va retourner dans le passé pour voir. Parce que là, comme ça, instinctivement, je dirais que. Je dirais que c'est là peut-être qu'il me manque un. Ah mais oui, il y avait ça. La dernière statuette, elle est là-dedans. Alors c'est quoi ce truc? J'ai une figure. KW. Elle est là, la dernière statuette. Donc il me reste une énigme ici à résoudre. Il me reste une énigme dans le passé à résoudre. La question c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire ici qui me manque? Je peux pas cliquer sur la fenêtre. Il manque un truc, mais je sais pas ce que c'est.
C'est quoi ça? 6, ça. On dirait peut-être 9, 3. On dirait un 6. Je vois pas trop ce que c'est que ce symbole-là. Je n'ai jamais vu. Enfin, ici, ça ressemble à un 3 et ça à un 6 ou un 9. Ça dépend comment on regarde. Ben, si ça c'est à 3, ça doit être un 9. C'est un 6. J'ai essayé 639. Ben non, je peux plus utiliser la télé. C'est quoi ces symboles? Je les ai pas vus encore jusqu'à présent. Ce qui correspondent pas aux formes. Est-ce que je peux les voir quelque part ces trucs-là? L'annuaire. Putain. Il y a un truc quelque part. Attendez, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, c'est juste parce que... Non, 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 je peux cliquer n'importe où. Pourquoi? Pourquoi ça? Truc là. Alors là je pêche, hein. Là je sèche complètement, je sais pas quoi faire de plus. Non, là je vois pas là. J'essaie de rallumer la lumière pour voir. Ça m'aide pas du tout. Là, je vous avouerai, ça m'aide pas du tout.
Non, pour moi, il me manque une heure. Pour moi, il me manque une heure et je dois la déduire à partir de... Donc ça, on avait dit, c'était 3 et 12, il n'y avait pas de souci. Ça, il y avait 4, et sur la poignée, il y avait 2 ou 6. Et il y a ça, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Donc on va essayer les heures. On va essayer les heures. Je vais plutôt partir sur 6 pour la porte. Essayer de trouver à quelle heure ça peut correspondre. Pour moi, ça peut correspondre à 4. Non. Donc ça correspond pas à un 6, la porte. Donc ça doit correspondre à un 4. Un 8, parce que 88 jours, enfin je sais pas, le tour du monde en 88 jours, enfin j'essaie de trouver des trucs, hein, j'essaie de trouver une idée, mais là... À part brute force le jeu, je vois pas quoi. J'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie de rebrute force. J'ai pas envie de rebrute force, honnêtement. Il y a un truc, il y a forcément un truc. Il y a... Bon. Qu'est-ce qu'il y avait déjà sur le dessus là? Ouais, ça, les cendres là. Mais non, ça, j'ai jamais rien pu en faire. À part appeler un numéro de téléphone, je vois pas ce qui pourrait me débloquer. Mais aucune idée de quel numéro pourrait m'aider. Il y en a trop. Si je rappelle, Highlander. 57 671. Pas ça. Zut. Good morning, D.A. Linda. Magic show. When will you arrive? I'm already here. Where? In front of the door. Il y a une pièce à trouver ou quelque chose, un symbole. Après, il y avait ce truc-là. Hein.
C'est con, mais si je remplace ça par un rond. Non. Ah, c'est terrible. Quand on trouve pas, c'est terrible. Et vous devez l'hurler, quoi. C'est évident. Mais c'est surtout que ça, c'est pas clair. Ça, c'est tellement pas clair. Parce que cette heure-là, je l'ai trouvée, évidemment. C'était 3 heures. Et donc là, ce serait quelque chose des 4. Parce que de toute façon, ça peut être que ça, la porte. T'as 4 carrés. Ou alors, t'as 6, t'as 6 couleurs foncées, 6 couleurs claires. Ce qui fait 12 ici. Donc, au bout d'un moment. La grande aiguille, c'est forcément 4. Forcément 4 ou 12. Attends, je suis en train de me planter. Non, c'est forcément 4. Et la petite aiguille est censée être représentée par le globe. Mais j'ai fait les 12 chiffres. Donc, au bout d'un moment, je vois pas, quoi. Pas je ou alors c'est 12 aussi et une autre heure mais je pareil je sais hein pourquoi il a d'accord c'était un bug après voilà ça sert à rien de brute force j'ai essayé tout ce qui était cohérent honnêtement j'ai essayé tout ce qui était cohérent en termes d'heures. Je ne vois pas. Je ne vois absolument pas qu'est-ce que peut être la secondaire, quoi. Quoi qu'attendez, c'est peut-être moi qui fais une connerie. Attendez. Je tente avec 8 en deuxième chiffre, et puis je sais pas, 3, 4, 6, non. J'en sais rien, ça me saoule, ça me fatigue en vrai. Quand on est à tenter des heures aléatoires, franchement. Bon allez. Non, sérieusement. C'est chiant. Qu'est-ce que vous voulez que ça représente, ça? En termes de nombre. C'est un putain de globe terrestre. Les continents, j'en sais rien. Combien il y avait d'étapes, j'ai pas compté. Y a pas de chiffres là-dessus, y a rien là.
T'as les pieds mal dessinés, madame. Welcome to the future. One of us will die. The other will be enlightened. Make the right move, Dale. Welcome to the future. Ça, je suis bloqué. Ça, c'est toujours en train de cramer. Dix-huit heures trente, 19h30, j'en sais rien. On peut essayer ça. Ah non, c'est Laura Vanderboom. D'accord, ok. Mais non, c'est... C'est ça, un Vanderboom, c'est elle. Ouais, c'est ça. Il y a un hibou là avec signe... Ah, je peux pas utiliser ma loupe là-dessus. Six heures. Il m'a dit que 6 heures. Mais je l'ai tenté 6 heures. Ouais, je l'ai tenté ça. Si je tente d'inverser en mettant minuit et demi. Pareil. C'est pas clair, ça me saoule, ça me fatigue. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça, quoi? Il n'y a aucun chiffre qui a été donné associé à ces trucs-là. Et le 12, je l'ai déduit parce que... Bah déjà du livre, parce que sur le livre, le cerf, il était en haut. Mais surtout, il y a 12 extrémités à la corne. Le 3, je l'ai déduit là... J'ai déduit parce que ben, il n'y avait que trois éléments au-dessus. Là, sur la porte, il y a quatre éléments. Ou six, si tu regardes la poignée, donc c'est débile.
C'est-à-dire, quand tu regardes la porte, voilà, si tu veux, il y a quatre carrés, ou alors deux identiques, j'en sais rien. On va essayer les mêmes trucs avec 10, on verra bien. Enfin, avec la grande aiguille sur 2, on verra bien. 3, 4, 6. Non, c'est pas 2. Je vois pas. Je vois pas. Je suis sûr que la pièce que je cherche, elle est là. Mais est-ce que c'est 9h06? Enfin, est-ce que c'est 9 et 6? Non. Non. C'est quoi le... Je sais pas, quand les parents sont décédés, j'avais 9 ans, donc 9 heures peut-être, on sait rien. Y a 19h30 que j'ai pas été et que j'ai pas essayé, ou 18h30. Ça, je l'ai pas essayé, ça. C'est quoi, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça pourrait correspondre à quelque chose, ça? Alors, l'anniversaire des 9 ans, donc c'était 1939. Le jour où les parents de Vandermeer sont morts, c'est en 1939. Est-ce que ça aide? Heures, 19h30, il n'y a rien qui se passe à ces heures-là. Donc c'est pas ça. Ça me tue. Ça me flingue. Et l'objectif, c'est quand même que je trouve par moi-même, pas que j'aille voir un Waltrou parce que ça sert à rien. Je peux rien faire. Bon. Écoutez, ça fait quoi là? Ça fait une demi-heure que je tourne. J'ai pas énormément avancé. Donc, j'en fais une pause. La dernière heure. C'était 11h moins le quart. Ou 11h45, on ne sait pas trop avec cette horloge. J'ai brute force. J'ai brute force, je suis tombé dessus, ça m'a saoulé. Bon. Allez, let's go. Retour au passé. J'ai brute force et pour le coup ça a passé parce que je suis censé le savoir. Je sais pas comment. D'où, c'est quoi le putain de rapport?
Si c'est ça qui est censé donner les heures, comment je suis censé deviner que c'était 11h45? Aucune logique. Je vois pas la logique. Je vois pas la logique là. Je vous jure, je la vois pas. Nique ta mère. Juste nique là. Bon, allez, on y va. Bon. Hop, hop. Donc, la fameuse pièce. Voilà, la dernière statuette. Allez, retour dans le futur. Let's go. Bien. Welcome to the future. Ouais, super. D'accord. Donc lui, c'est un... Quoi? C'est le paradoxe des dames. Ok, d'accord. Ok, c'est un truc mathématique, c'est il faut que je les place de façon à ce que à ce qu'ils ne se menacent pas les uns les autres. C'est un problème d'échecs et de mathématiques. Alors normalement, sur un vrai échiquier, ça se fait avec 8 dames. On place 8 dames sur l'échiquier de 64 cases, et il faut réussir à placer les dames de manière à ce que aucune ne s'entremenace. C'est un truc. Pour le coup, c'est un truc connu en mathématiques. Mais si t'es pas mathématicien. Voilà, si t'as pas un bagage mathématique, va trouver ça, toi. Bref. Parce que. Hein, voilà, parce que. Bon, bref. Renseignez-vous sur le. Ça s'appelle le problème des 8 dames. Allez voir sur Wikipédia, il y a une page là-dessus. Triangle TIS. Et sablier. On va dire Atis et sablier. Ok, ou à 8. Allez, comme ça je vais pouvoir retenir. Allez, le sablier, il est où? Il est là. Bing. Allez, hein? Bah, c'était bien ça, non? Bah, si, c'est ça. Oh, il y a encore un ordre à la con avec le... Avec le truc là. Du coup. Ok, du coup, lui, c'est le triangle. Elle, c'est le T. Lui, c'est le I. L'homme, c'est le S. Et le corbeau, c'est le 8. On va dire. J'ai un sablier, mais je vais dire 8 parce que voilà. Du coup, c'est ces trucs-là, mais pas dans cet ordre-là. Du coup, 1, c'est le
Le A, ça c'est bon. Le corbeau. Le corbeau, c'est le deuxième. Et le corbeau, c'est le symbole. Le corbeau, c'est le. C'est le sablier. Je mets juste un T à la place de. C'est juste histoire de garder les mêmes trucs. Ok, non. Hop, hop. Ensuite, en 3. En 3, je sais pas, on dirait la dame. Allez, on. De toute façon, par déduction, non. C'est ça. Donc, en 3, c'est l'homme. En 3, c'est l'homme. C'est le S. Ok, donc c'est l'inverse, c'est T et I. Voilà, ok, super. Une nouvelle cassette. Bah, le problème, c'est qu'on arrive en fin de tournage là pour moi. Harvey Song, excusez-moi, je l'ai. Ok, ça a le mérite d'être clair. Alors, Monsieur Johnson. Johnson, JDE 54-253. 54-253. Hello, Johnson Birdfood. Do you sell parrot food? Yes, we do. Do you deliver? Yes, we deliver. One packet of parrot food to Rusty Lake. We will deliver in the future.